4, 3, 2, 1, a voi! La prima partenza, ci siamo a 100 km, Chianti Ultra Trail, lampadine accese, e si va! Questi ragazzi, queste ragazze che vanno per la maggiore faranno un bel giretto, siamo così, e Chianti, tutti i castelli, tutti i castelli, il nostro super Allez, on est parti pour 100 km et 4000 mètres de plus. Bon, il y a déjà eu une course avant la course. Je me suis rendu compte que j'avais oublié mon eau à ma chambre. En fait, j'avais pas d'eau pour commencer la course. Mais juste avant le départ, j'ai réussi à trouver un hôtel ouvert. Aujourd'hui, on est dans une zone hyper touristique. Et le meilleur de nuit a accepté de me servir de l'eau. Il a été très gentil. Merci, ça m'a évité de faire les 10 premiers kilomètres sans flotte et devoir m'arrêter au premier ravitaillement. Bon, on va pas se mentir, je crois que je suis en train de merder. Parce que là, je suis à 13 à l'heure, quasiment. Les moyennes depuis le début. En fait, c'est de la grande piste en descente pour l'instant. Donc, j'ai pas l'impression de forcer, mais. Ça fait rapide par exemple quand on s'en borne. Ça me rassure pas. Bon là ça fait 10 bornes et demie. Moins d'une heure de course. 260 mètres de déplus. Bon c'est super roulant pour l'instant. On alterne entre grosses pistes et routes quand on passe dans les villages. Bon, ça présente pas un énorme intérêt pour l'instant parce que il fait nuit. Je pense que quand il fait lourd, ça sera sympa. Faire des courageux. Ciao! Apparemment, on aurait dû passer un ravito. Je crois que je l'ai pas vu. Bon, on verra bien. De toute façon, je n'avais pas prévu de m'arrêter donc. Bon, le jour commence à pointer le bout de son nez. 1h36 de course, quasiment 18 bornes de couvert et un petit peu moins de 500 mètres de plus. Ça court tout le temps, c'est vraiment super roulant. Je sais pas dans quel état je vais arriver. Hein. C'est beau, mon Dieu. Ça tout le long. Ça y est, progressivement, ça se lève. C'est joli, hein, ouais. Ça donne envie d'aller se poser, déguster quelques verres de pinard. Hein. Ouais, ça c'est ce soir. Oui, alors je vous ai pas dit. Je me suis fait un petit défi ce soir. Je me suis réservé un très bon resto. Pas trop tard. Comme ça, je me suis mis une motivation pour essayer de me bouger, en fait. Voilà. Bon, on part du deuxième ravitaillement. C'était mon premier en fait, ça y est, le jour est levé là. 2 heures de course, donc 6h du mat. 21 kills, pratiquement 700 des plus. Donc pour l'instant ça va. Je sens que j'ai un peu le ventre qui gargouille là, j'espère que je vais pas avoir un métallisé traditionnel petit problème. Mais bon, pour l'instant ça va. Allez, et puis il fait une bonne température, tout le monde.
Je pense qu'on va avoir une chaud aujourd'hui. Au milieu des vignes, c'est pas la bonne saison, c'est sûr, mais voilà. Oh, c'est un régal. Je suis en plus là. C'est vraiment un régal. Donc, on traverse des vignes, pistes, petit village. Vignes, château, petit village. C'est le programme. C'est splendide. Regardez. Bon, là, on a fait 30 bornes, 1100 de plus en 3 heures. Ça roule, hein. Ils roulent les amis là devant, les amis italiens. Bon, faut dire que je pense que je suis parti vite aussi. Là j'étais bien, mais là je sens que ça commence à coincer un poil. Bon, là on a fait le tir de la distance. Et par contre, on n'a pas fait encore le tir du dénu. Le balisage est pas super. On vient de se paumer là tous. Heureusement que j'étais avec un groupe parce que sinon je pense que je serais encore en train de jardiner. Il y a une balise toutes les 500 mètres là. Alors ok, c'est une grosse piste, mais des fois il faudrait bien mettre un peu plus. Bon, on vient de repartir du 13e ravito là. J'ai quasiment presque 37 bornes et une 300 de plus. Là, non, c'est roulant cette histoire. Je crois que l'étage est fini. Là, ça fait 3h45 de course. C'est super joli. Ça, je me régale. Bon, là, on est en train de se faire une grosse montée, enfin une grosse, comparativement à ce qu'on a fait avant, hein. Mais une montée sur un chemin bien dégueu. Alors, c'est un chemin normal en trail, mais en fait, vu qu'on a pris de la piste quasiment que de la piste depuis le début, forcément, ça fait dégueu d'un coup. Gueule bien sympa en sous-bois. Non, c'est vraiment agréable comme course. Bon, là, je vais ralentir un peu parce que j'ai senti que j'allais pas tarder à exploser. Donc je vais laisser partir parce que c'était pas l'idée du siècle d'essayer de les suivre. Ah, là, on va passer les 40 bornes. On reste une soixantaine. Voilà. On est à 48 km, 2000 de plus. Donc on est pas loin de la moitié, en tout cas moitié en dénive, pas loin de la moitié en distance. Là on finit une montée. Et puis ensuite on a une grosse descente. On va en direction de Gaillol, une quinte. Et voilà, il fait super beau là, c'est super agréable. Allez. Moi là, je suis pas serein, ça fait 3 bornes que j'ai pas vu une balise. Alors les 3 de devant me disent qu'ils ont vu un tout petit bout de balise comme si elle avait été arrachée. Mais non, ça fait 3 bornes que je n'ai pas vu. Il m'a dit non, on continue, on a vu une balise. Bon, je l'ai suivi. Mais putain, s'il faut remonter tout ça là, on va tomber. Bon, ça y est, on a retrouvé des traces. Enfin, des traces, on a retrouvé des balises.
Puis j'étais dans un groupe où il y a un mec qui avait la trace. Moi je la charge jamais, c'est une connerie, je devrais le faire. Objectivement, ils ont pris un débalisage pendant 5 bornes. S'il avait été seul, ouais, j'aurais hésité sur ce que je faisais là. Bon là on est à plus de 55. Prochain ravito à 60. Je commence à coincer. Hein. Ça m'étonnerait qu'on fasse un négatif split. Hein. On est dans un endroit magnifique. J'arrive à me refaire un peu de santé quand on remonte. Parce que c'est sec. Monter raide. Talking to camera. J'ai trouvé compagnie là, avec une demoiselle sur le sang. Elle va bien, vers Dieu. Je vais pas arriver à la suivre en fait. Je suis en train de m'arracher pour la suivre. J'aimerais bien pouvoir la suivre au moins jusqu'au prochain ravito. Après, j'arriverai pas. Ciao! Et là, on est en train de rattraper les coureurs du 42 là. Ils sont complètement là, les pauvres. Là, on a fait 67 bornes pour 2007 de D+. Je suis cuit. Là, j'ai un gros coup de mou. Là. Il fait chaud. Genre, là, on a un petit coup à l'ombre. Il faisait chaud sur la partie avant. Là. Et j'appréhende parce que je pense que je vais avoir du mal à courir. Là. Et si je peux pas courir pendant 33 bornes, ça va être long. Enfin. Allez, ça fait un peu moins de 8h30 de course. Allez, 69 km. Je compte chaque kilomètre, on va pas se mentir. Pas que c'est pas beau, hein. Ah ouais. C'est juste que je commence à coincer celle-là. En plus, c'est de la longue piste à perte de vue là. Bon. Après avoir vécu un gros monde dur, des problèmes gastriques, je trouve un tout petit peu des jambes. Un tout petit peu. On arrive à l'avant-dernier ravitaillement. Ciao. 78, 3100 mètres de D+, ça va être là-haut. En fait, ils font ça dans des châteaux. Comme une viticole. Donc là, on est revenu sur la commune de Radaïn-Kianti. Et bon, il restera, je sais pas, 24 bornes, je crois, après, pour, allez, 850 de plus, un truc comme ça. Oh, on vient de se prendre un pétard, là, et donc, et c'est là qu'on va se prendre un énorme. C'est-à-dire que là, j'ai pris un pétard énorme, mais juste à l'arrêt. Ma montre affiche 0 en vitesse, et là, on en prend un autre, mais deux fois plus grand. Je suis pas impatient. Bon là on a pas loin de 85 bornes pour 3600 mètres de D+. On vient de prendre un méga pétard. Je suis défoncé. Là j'ai de plus en plus de mal à courir. Donc apparemment on va prendre une descente. Et après on va reprendre un énorme coup de cul, un énorme pétard pour monter au ravitaillement. Il reste encore 4 bornes et demie pour le ravitaillement. Là.
Ah, ça commence à durer cette petite plaisanterie là, ça commence à durer cette histoire. Ouais, je me suis remonté par une ou deux personnes, mais j'en ai doublé moi-même deux, trois, donc. Mais bon, une chose est sûre, c'est que partir à 12, 13 à l'heure, c'était pas l'idée du siècle. On est dans un coin qui est absolument splendide. Absolument. Bon, là, on a quitté le dernier ravitaillement. Apparemment, là, maintenant, c'est une grosse descente et puis quelques petits coups de cul à l'arrivée. Là, j'avoue que ça commence à piquer. Mais en fait, ils nous annoncent une descente, mais on commence par monter, donc c'est curieux. Là, je suis mais sec de chez sec. Voilà, on est censé faire une grande descente. Ça va être une descente que dalle, en fait, pour tout vous dire. Donc, je cours un peu quand c'est un espèce de faux plat descendant. Mais après, je sais plus, j'arrive plus à courir. Quasiment à 91. C'est encore long cette histoire. En plus, on voit même pas le village, là. Même pas le deviner. Là, le soleil est en train de tomber, ça se rafraîchit. Alors, le truc, c'est qu'on est tellement chaud toute la journée, je sais pas ce que je crois. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je devrais pas avoir à remettre ma frontale. Normalement. Bon, on a récupéré une piste, là, qui descend doucement. On a ras-le-bol. Ça fait du bien de passer la journée en pleine nature, mais là, faut que ça s'arrête. Bon, bilan de la journée, j'aurais pas fait les exploits. Comme d'hab, je suis parti trop vite. J'ai souffert de la chaleur. Les intestins n'ont pas laissé tranquille. C'est la deuxième partie. Et puis, bon, finalement, j'ai terminé, c'est bien essentiel. Ah, c'est un village là, c'est magnifique. Je sais pas comment ça s'appelle. Voici Rada, on va là-bas. Si on n'y est pas encore, hein. Il reste bien 1,5 km. Hein. Oh là, là-dessus. Là. On entend les cloches de Rada qui sont en train de sonner. Bon, moins de 15 heures, mais j'aurais pas fait l'expo. Hein. Mais bon, je suis où ? Un ultra de plus, une light pocket. Et c'est bien essentiel. Bon, bah. Ah, bravo ! C'est ma finisher, quoi. Un de plus dans la poche. Je peux dire. Bravo! 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 Bravissimo! Bravo! E ora arrivo! Certo, come se non avessi il tempo e tutto.